L'Égypte, son peuple et son développement sont les mots-clés qui ont incité Mme Souhaïla Sewi à fonder l'association égyptienne au service de la communauté et l'environnement. Oui, les arbres, c'est une solution simple. Toujours nous pensons aux solutions les plus simples pour les problèmes de l'environnement. Nous avons un problème de pollution. Bon, la solution est simple au fond. Pourquoi ne pas avoir un arbre? L'arbre, là, c'est la manière la plus facile, la plus efficace de combattre tous les effets nocifs que nous avons autour de soi. Les gens pensent que l'arbre, c'est un objet de décor, et au fond, c'est un objet de décor, oui. Mais ce n'est pas ça l'essentiel de l'arbre. Nous avons fait un programme spécialement à propos des arbres et l'importance de l'arbre. Le programme s'appelle Hafiz al Ashgar, la Haqqa Auladna. Sauvegarder nos arbres, comme les arbres, c'est une consignation pour nos enfants. C'est une consignation que nous avons, nous, héritée. Et nous devons la sauvegarder pour les gens qui viennent après nous. L'arbre, c'est plutôt comme une machine qui pompe de l'air, qui pompe de l'oxygène, de l'air pur. Et c'est comme ça qu'il faut voir l'arbre. Ce n'est pas simplement une chose qui va exister un certain temps et puis c'est fini. Les gens pensent que les arbres, c'est comme un bouquet de fleurs, qu'on peut planter un arbre aujourd'hui, il a existé un certain temps et puis c'est fini. Les gens pensent que les arbres, c'est comme un bouquet de fleurs, qu'on peut planter un arbre aujourd'hui, l'enlever demain, le remplacer. Non, l'arbre doit durer, l'arbre peut durer des années, des centaines d'années. Nous avons aussi beaucoup de pollution visuelle. Avec l'arbre, nous avons au moins quelque chose de beau à regarder. On a beaucoup de chance en Égypte parce que nous avons des arbres d'une variété incroyable. Tous les arbres que nous voyons un peu partout dans les rues, dans nos jardins, ce sont des arbres, au fond, qui ne sont pas d'origine égyptienne. Il y en a qui le sont, mais la plupart ne le sont pas du tout. Ils viennent d'autre part. Ils viennent du Canada, par exemple, de l'Australie, des Indes, de l'Amérique latine, un peu partout. Mais ils viennent ici, ils trouvent, ils arrivent à fleurir, ils arrivent à se répandre. Ça montre que l'Égypte aussi, c'est un pays qui accueille tout le monde. Un pays où tout le monde peut vivre confortablement et tout le monde, chaque arbre ici, par exemple, a trouvé son petit coin. C'est très important aussi de s'occuper de tout ce qui est autour de l'arbre. Souvent, nous perdons nos arbres dans nos rues parce qu'on ne s'occupe pas, on étrangle les arbres en les encerclant un peu trop. Souvent, nous trouvons les gens qui jettent leurs ordures autour des arbres. Ou bien les gens, ça ce sont les pires des gens, qui veulent montrer leur vitrine dans leur boutique. Alors, ils coupent les arbres pour pouvoir montrer la vitrine. Et c'est comme ça que les arbres, nous perdons beaucoup de nos arbres, parce que l'arbre peut tomber en perdant leur équilibre. Alors, s'occuper des arbres, c'est vraiment un art, et c'est très important de l'apprendre et de le faire connaître. On a découvert aussi quelque chose de très important à propos des arbres, que les arbres, quand on est dans une... avec les enfants, surtout dans les écoles, quand nous avons mis des arbres dans leur jardin, enfin, il n'y a pas beaucoup de jardins dans les écoles, mais quand on a planté des arbres autour, le comportement des enfants a changé. C'est très difficile de s'emporter ou d'être violent quand on est dans un jardin. Les arbres soulagent et calment les personnes. Ça, c'est très important. Les arbres aussi empêchent le bruit. Notre but dans l'association, c'était d'améliorer, d'améliorer la qualité de notre vie, de faire une vie plus agréable. Pour commencer, nous voulons un peu savoir de vous. Qui êtes-vous ? Maintenant, je suis tout à fait préoccupée avec le travail bénévole. Il y a
déjà presque 20 ans que c'est une chose qui m'intéresse beaucoup. Avant cela, j'ai enseigné pendant presque 18 ans. J'enseignais la langue anglaise aux gens qui voulaient apprendre la langue. C'est un programme spécial. Le fait que j'ai enseigné avant, ça m'aide beaucoup maintenant parce que je fais un tout petit peu ça maintenant avec les zones défavorisées qui nous intéressent beaucoup dans notre association. Notre association s'appelle l'association égyptienne au service de la communauté et de l'environnement. Ça fait déjà presque 20 ans, 19 ans peut-être, que nous sommes établis. Nous sommes un groupe plus ou moins des dames, il y a des hommes aussi avec nous, mais la plupart de nous, nous sommes des dames qui veulent se consacrer au travail bénévole. Comme le nom de notre association le dit, nous sommes très concernés pour l'environnement et comment servir notre communauté. Comment, à travers, par exemple, nous faisons beaucoup de campagnes de sensibilisation pour montrer comment nous voulons que les gens cessent de dire ça n'a rien à faire avec moi et moi je ne peux rien faire et c'est pas moi qui va changer le monde, nous avons d'autres, c'est-à-dire tout le monde est préoccupé ces jours-ci surtout, nous avons plein de problèmes. Mais ce qui nous concerne le plus, c'est disons la rue égyptienne, ce que tout le monde voit. Dans la rue, on remarque comment les gens se comportent. Ça affecte la pollution qui est autour de nous, soit la pollution sonore ou la pollution visuelle. Il y a aussi la pollution de l'air aussi. Ça, c'est un grand problème. Le trafic autour de nous. Nous avons une devise. Et notre devise, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas pu la réaliser, mais ça existe toujours. La devise, c'est « Retour au trottoir ». Pour nous, le trottoir est symbolique, c'est un symbole, il doit exister, il doit être parfait, l'auteur parfaite, tout à fait vide, c'est-à-dire il faut respecter les piétons maintenant ne savent pas où marcher. Mais le trottoir aussi est symbole de l'ordre, de la fin de désordre, c'est-à-dire quand il y a un trottoir, tout sera bien organisé. C'est comme ça que nous voyons les choses. Il y a 20 ans que Mme Sohaila Saoui travaille dans le travail bénévole, dans le service de la société. Dès votre enfance, qui vous a incité à s'intéresser tellement à la société? C'est-à-dire, j'ai été élevée dans une école assez stricte. Nous étions élevés dans une école qui enseignait la langue anglaise. C'était au moment de notre enfance, c'était vraiment une école anglaise, c'est-à-dire les professeurs étaient anglais et il y avait beaucoup de gens de nationalités différentes en l'école avec nous. Nous étions un groupe tout à fait mixte, c'était un mixte aussi, il y avait les garçons et les filles. Et il y avait beaucoup d'intérêt pour le sport, il y avait beaucoup d'intérêt pour les études, mais d'une manière très, c'est-à-dire ouverte. On pouvait discuter, on pouvait parler. C'était une école vraiment qui a mis de bonnes bases pour notre conscience de ce qui se passe autour de nous. C'était normal, je pense, de quand on voyait autour de nous qu'on avait besoin d'aider, qu'il fallait toujours donner. Nous étions depuis jeunes organisés dans des groupes de scouts et ça nous a beaucoup affecté toutes et même quand on a décidé de faire notre association, une des premières choses que nous avons fait, c'est d'avoir des groupes de scouts. Nous avons appelé les scouts de l'environnement. Et c'est à travers peut-être que ce système qu'on a appris qu'il fallait toujours travailler en bande, c'est très important, qu'il ne fallait pas être égoïste, qu'il fallait toujours aider les gens, et d'apprendre, toujours d'apprendre soi-même et de vouloir apprendre aux autres. C'est une chose très importante qui a été depuis très jeune, je crois, qui m'a beaucoup affectée.
C'est comme cela que j'ai voulu faire l'enseignement après cela, parce que ça m'a toujours impressionné le fait qu'on pouvait, à travers même l'enseignement, apprendre soi-même et d'être toujours en contact avec les gens. Ça aussi, c'était très important. Vous savez, le travail bénévole, il faut le commencer très jeune. Et puis, il y a une période où on doit le laisser un tout petit peu. Quand les jeunes mariés, par exemple, qui doivent s'occuper de leurs enfants et qui ont des difficultés au début, c'est plus facile plus tard, quand les enfants grandissent. Et alors, on a beaucoup plus de temps, peut-être, d'être plus consacré. Ce qui, pour le travail bénévole, c'est très important d'être vraiment consacré et de trouver le temps. Parce que ça veut du temps et ça veut beaucoup d'être... il faut le prendre au sérieux. Ce n'est pas comme les gens pensent. Que quand c'est bénévole, alors on peut le faire d'une manière plus relaxe, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout le cas. Mère de famille, responsable d'une association pour le service de la communauté et enseignante de langue anglaise. L'importance de l'organisation du temps pour Soheila Sang. C'est très important quand on fait un travail, quoi que ce soit, d'organiser son temps. Mais à présent, c'est beaucoup plus facile pour moi quand mes enfants ont grandi. Mais j'ai trouvé que, avant cela, quand j'enseignais à l'université, quand on a des enfants qui sont assez jeunes, l'enseignement, ça marche un peu avec le système de vie. Parce qu'on a plus ou moins les mêmes jours de congé, on a des vacances qui sont plus ou moins de la même, enfin assez longue. Alors ça donne, et puis avec l'enseignement, c'était pas chaque jour que je devais aller enseigner. Donc j'avais le temps aussi de voir un peu ma maison, de voir mes enfants, de m'occuper des enfants. Parce que moi je trouve que la femme doit vraiment être très consacrée pour ses enfants, pour l'élevage de ses enfants, de ne pas donner ça à quelqu'un d'autre.